Ouais. Bien. Bah, c'est au gras. Bonjour David. Bonjour. Qu'on fait? Ben on va sur la production, hein. Alors David, qu'on fait là? Expliquez-nous un petit peu. En train de casser, il y aura bœuf. Ouais. Pour tirer différentes parties. Pour tirer un steak. Tout ça, il y a un tas d'envoi. Ouais, ouais. Donc il faut détailler, c'est ça, nous avons détaillé. Mais David, qui est ne faut pas vous faire, on va faire ce que tu as ça. Il faut être attentif. Pour ne pas vous prendre. Ouais, il ne faut pas vous blesser. Il ne faut pas vous blesser. Il faut pas vous faire bien. Ouais. Ça j'arrivais arrivé que vous blessé. Ouais. Au tout début. Au tout début. Ouais. L'appressement. Ou pas technique technique peut-être assez... La technique, mais on savait toujours presser, il y a un client, il faut faire mon là qui a mis pression sur vous. Client a pression sur. En fait, on a déjà servi client, mais quand il m'a donné un métrage pour moi, 2-3 euros à me citer. Quand on fait aller chercher une belle, tout ça. Je me dis, la chienne, moi, je dis, mais ouf. Ouais, aïe, aïe. Au fond même, ou bien. Il avait été blessé au sérieusement. Au sérieusement, ben? Non. On était à l'hôpital. C'est vrai? Oui. Ils sont en douette ou. En douette. Non. Une belle pièce, nous, pas vrai là. Oui. C'est ça, globe là. C'est quoi qui est globe là? Ouais. Maman. Belle pièce même. David, dis-nous pendant qu'on travaille hein, là. Dis-nous combien de temps on fait le métier là, ça. À quel moment on entre là-dedans? Racontez-nous une histoire à boucherie familiale là. 19 ans là-dedans. On est là ça. C'est après moi, pas pour moi. En quelle année à peu près? 99. 99. Ouais. Après ça, moi, j'ai fait. Et après ça, on savait. On est obligé d'entrer là-dedans. Donc c'est moi à papa qui décide où. Ouais. Il dit qu'il faut reprendre l'entreprise familiale là. En fait, on a venu avec le week-end, là ça jeune beaucoup. Ouais. Le week-end on va arriver. Le dimanche, je vais devoir travailler. Venir travailler. Parce que là, on va dans le obligé de travailler dedans. Ouais. Donc ça n'a pas été clair au début des feuilles, mais bon, on dit bon, faut apprendre. Ou non, bien, on nous répond, c'est peut-être. Un bon métier. C'est un bon métier, on va vous dire que c'est un bon métier. Puisque vous dites que la passe à où tu voulais faire. Ouais, la passe à où tu voulais faire au début, la passe à apprendre. Mais on va convertir moi dedans, quoi. Ouais, ouais. Oui. Ici, on va voir qu'on fait ça tellement facilement, David. Mais. Ou t'as dit l'impression que n'importe qui peut faire ça, mais en même temps, quand tu sens qu'il faut une force pour faire ça. Rapporte ton couteau là, préféré. Non, merci. On préfère la caméra là. David, quand il s'est demandé le client là, ça. C'est Cabrit. C'est Cabrit qui m'a demandé? Oui. Ouais. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi c'est cabrit ou commandé? Les gens commandé bœuf, les gens commandé. Je commandé bœuf, je commandé cochon, mais de temps en temps, même avec le cabrit. Ouais. Appelez-moi, quand vous voulez chercher le cabrit à mon roi. Pourquoi c'est cabrit là, vous préférez? Ah,
C'est une question de choix, c'est tout. C'est vrai? Oui. Mais goût là, goût aïe. Oui, moi, j'ai goût aïe en Colombo, j'ai goût aïe africassé. C'est vrai? Et qui quantité ou quoi prend chaque fois? Ou quoi prend 2 kilos? 3, 4, 5 kilos, peu importe. On dit que le monde arrive pour mail. Ah! Donc, pourquoi c'est vie avec la technologie aussi? Oui, oui, oui. Il arrive pas WhatsApp, il arrive pas. C'est vrai? Ouais. Et comme on a dit, vous préparez telle pièce pour moi. Telle pièce pour moi, qui quantité? C'est vrai? Ouais. Oh là là! Comment tu manœuvres? Comment tu manœuvres? Bonjour Marie! Bonjour! Alors tu peux nous dire ce que tu fais là? En ce moment, je suis en train de farcir les poulets pour les mettre sur la broche dans la rôtissoire tout à l'heure. Alors, c'est une farce que tu mets à l'intérieur qui est faite de quoi cette farce? Cette farce, elle est faite à base de viande de bœuf. De viande de bœuf? C'est ça qui lui donne le bon goût là de. Il y a aussi l'assaisonnement qui compte. L'assaisonnement fait le reste. Donc il y a l'assaisonnement qui est la base de tout en fait. Voilà. C'est quoi un bon assaisonnement, Marie? Je dirais que chaque personne a ses goûts. Parce que le sel aussi compte énormément. Pour les gens qui aiment salé, il y a certains qui diront qu'il n'y a pas suffisamment de sel. Il y a ceux qui te diront que c'est trop salé, alors que on essaie de trouver le juste milieu. Mais bœuf là déjà, quand on dit un bœuf là, mais un éleveur là. Ouais. De éleveur là, la plus nommée d'accord. On a un bétail. La paquet, on va amener l'abattoir, on va déposer l'abattoir, on va réceptionner. Et après, il va tuer, et après ça, deux jours après, ou bien même le lendemain, on peut récupérer l'abattoir. Ouais. Et mener à bouche bien moins. Mais moi, quand je fais ma situation, c'est-à-dire qu'on va laisser reposer la viande, on va prendre la viande là, on va viande là tout de suite. Ah bon? Quelqu'un reste en chambre de moins. Ouais. En semaine, on peut voir la chambre là à 2 degrés. À 2 degrés, la boule à 18 degrés. Ouais. Et nous pas mettre en chambre froide. Ah. C'est en maturation pendant en semaine minimum. Alors c'est ça qui chambre froide là. C'est la base stockée tout vient. Tout vient là, ok. C'est là nous va stocker tout vient là. Bœuf là, cochon là, poule là. Ouais, là c'est bœuf. Ouais. Donc c'est important qu'il y ait accroché. Hein, ah oui, oui. Là-dedans. D'accord. Et où là qu'il y a tout là? En 7 ans, j'en ai. Là-bas, là. Et là, c'est le même type d'assaisonnement que pour le poulet. Voilà. Oh là là, de grosses pièces, hein. Qu'est-ce que tu mets là comme pièce là? C'est pour tenir. C'est pour la pièce ne bouge pas. Voilà. Et chine le pot. Ouais. Est-ce que tu peux préciser nous pour nous regarder là? Qui partit à Paola ça exactement? Oh là il a trouvé exactement. Tu as trouvé un niveau après caché derrière pour la Paola. Des épaules là. Au niveau du cou. Ah, au niveau à cou, oui.
Je vois que chine de porc, ou plus souvent en termes créole, grillade de porc. Ah, c'est ça qui est grillade là. Ok. Là, on va couper à la main, pourquoi? On va couper à la main pour montrer que. En plus, ça travaille aussi sans machine. Sans machine là. Donc, si machine là tombe en panne, ou que travaille comment? Travaille toujours. Parce que pas pour moi de travailler pendant des années, c'est dans sans machine. Ouais. Donc, il y a prendre d'autres gens. Ouais. Moi, je vais dépêcher. Ou t'es jeune bouc. Il a des sorties là. C'est vrai? Ah ouais. Parce que là, on fait ça, ça toute la journée. Il faut dessiner, viens là, la main. Quand tu es raide après, c'est poignée là, qui a fait mal. Là, qui a fait mal, tout corps a fait mal. Et c'est ça qui décide ou après à acheter, faire investissement. Ouais, un mois après, pour moi, pas pour moi, acheter une machine. Alors, tu fais quoi là, Marie, explique-nous. Là, je vais faire des légumes à soupe. Ah, ce qu'on appelait des bouquets à soupe. Ah, d'accord. Et là, si tu es en train de couper du giromo. Ouais. Qu'est-ce que tu mets dans le bouquet? Il y a le giromo, le poireau, le céleri, ouais. La carotte, le chou. Pour que tout soit prêt pour une bonne soupe. Voilà. C'est quelquefois difficile hein, à découper. Hein? Très. Il faut avoir de la force dans les poignets là. Bon, c'est pas évident même si on a de la force, mais quelquefois c'est le giromo qui gagne. Là c'est un robot coupe. Ouais. C'est avec ça nous qu'on fait. Des légumes hachés là. Ah, ce sont des gros batteries cuisine quoi. Ce sont ouais. Des gros. Et qui capacité a et quand on peut faire veille? On peut faire tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ou quand on peut faire. Ouais, on peut faire des démonstrations là. On peut faire des démonstrations là. Ok. On peut tout faire ustensile là. On a ça à avoir une petite dé. Un petit dé. Ah, d'accord. Ok. Pour faire sortir la machine là. Ouais. Comme il est tard là. Donc il y a chaque nuit un rôle. Hein? Il y a chaque nuit un rôle. Tout à l'heure c'est pour couper l'équipe. Oh! Bon, vraiment pour la cuisine qui a fonctionné. On va remettre les autres. Ces carottes là. Ouais. Pouille. Okay. Camarou lié en D, ouais, réellement. On va laver là. Laver là. On va gagner temps, longtemps même. Là, je sais pourquoi couper ça à la main. Là. Ah ouais, quand vous tous les gars, ça va au couteau, on va vous compte. Faut des feuilles toute la journée. Hein? Okay.
fait, c'est mon souhait de l'avant. Ouais. Pourquoi on va faire ces règles là avant? Parce que, comme on a vu de changer de coupe, on peut faire chou là avec celui là. Ah, ok. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Quand c'était pour te faire la main. Ah ouais, là, nous pas te ni résultat là ça. Là, nous pas changer l'âme. L'âme là, ouais. Je crois rebalancer, voilà. Alors là, c'est navé là. Navé, non, là c'est poireau là. Poireau, poireau, poireau. Ouais, c'est poireau. Là, on va faire chou là. Ouais. Pas faire des gros découpes avant quand même, non? Oui, on va faire un gros découpe. Ouais, parce que faut. Bon. Alors David, là, on a acheté bouquet à soupa, il n'y a pas de grandes affaires à faire, qui tu plies. Ah ben non. Tout travail, tout beau travail là, en fait. Tout beau travail là, en fait. Alors, ma chouma, quoi, tu m'as dit. Alors, c'est tout ce que j'ai. On va en... Ah, d'accord, il y a une sécurité là. Oui, là, c'est tout ça là. On met ces là. Oh. Voilà. Ouais. David, faut pas mettre un doigt dans mon passage dedans là. Souvent, on veut résoudre ce problème. Ouais, c'est organisé au bout de temps, on va pas ça, non. David, ça n'a pas ni rien à voir, on va parler, il n'y a pas servi en cuisine, comme ça. Non, ça sort beaucoup. Automatique. Très cher. Ouais. Très cher, hein? Ah ouais. Mais quand même, on va pas regretter les jours. C'est vrai? Ah. Et comme ça, il coste tout le monde, enfin, il a résisté. Oui, oui. Combien de temps on est là? Deux ans. Deux ans, hein? On était dans plus petit avant. Ouais. Mais parce qu'il y a assez rentable dans le Faut que tu fasses un plus gros investissement. Ouais. Pour un cap. Celui-là, c'est un légume qui est assez fragile. Ouais. Alors, on peut se mettre. Fait à la main. Fait à la main. Mais on va dire fragile, ça veut dire que. Là, on passe à la machine. La machine a une tendance à. Comme une carte vite, qui a chauffé ces feuilles-là. Il y a un mauvais aspect là, nous fait. Ah ouais, il n'y a pas belle à voir. Ouais. Belle à voir. Pour présentation là, ça pas. Mais oui, mais au moins son sel où il y a faire. Si ouais. Soutenir tout à fait à la main, ça peut être plus difficile. Ouais. Et avant de faire tout à la main. Eh bien oui, c'est ça qu'à voir. C'est ça qu'à voir là. On va manger du carotte. Ouais. Et on va faire un bel sting top à la bouche là. Alors les ingrédients, on va mettre ce qui est un rêve nous là. Alors il y a une carotte, il y a une poireau. Il y a une navet, il y a une jumeau,
une céleri, mm-hmm. et les choux. Les choux, ouais. On a encore un bouquet à soupe là non haché 2 euros mm-hmm. et bouquet à soupe là haché 3 euros. Ouais, très bien, très bien. Donc pour 3 euros, on a qu'à venir point et tout le au début, on a fait point, quasiment à bon, il y a qu'à faire. Mais là, on a remarqué que là, on a pris point pour tailler au compétent. Et moi, un avantage, il y a toujours. Ouais? Ouais, ouais. Donc après, petit à petit, on a changé le réflexe. On a changé le réflexe. Ouais. Ça va ni pour fragilité, c'est à parler de ça. Pas ni pour prendre bon ailleurs. Ah oui, assez risque quand même. Ah ouais? C'est l'homme là peut-être qui a changé. C'est l'homme là quand on peut pas acheter l'homme là en détail. Ah d'accord, d'accord. Alors parce que on va quand même mélanger tout. Ouais. Et après on va mettre des petits sachets. Des petits sachets. Ouais. À chasser transparent, mm-hmm. fermeture bien dedans. On fait des petits sachets qui font tout ça. Hein? Fait tout ça. Pas spécialement fait pour ça, hein, mais il y a correspondre qui correspond à besoin au moins. Voilà, c'est ça. Alors les gestes qu'on va faire là, c'est des gestes qu'on va faire chaque semaine. Oui, oui, tous les semaines. Tous les semaines, on va revenir. Il y en a plusieurs fois au week-end aussi. C'est vrai? Ouais, bah si je finis, il faut refaire d'autres. Faut refaire, refaire, refaire chaque fois. Mm-hmm. Marie, pour moi, des céleri, s'il te plaît. Il y en a plus d'autres. Pas d'autres poireaux. Ah ouais, pour avoir. Ouais. J'abonne pour le bon là. Oui, mais il faut bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Non, mais un couleur là, il faut. Ouais, il faut à goût. Hein. On va wow. sentir pourquoi. Wow. Ou pourquoi content. Mm. Savoir tous les légumes là aussi nettoyer. Ouais. Quoi avant. Oui, il faut nettoyer. Yo. Yon pas yon. Yon pas. Il travaille là-haut, David. Il travaille là tout bon. Avant, c'est pour pas te lever pour un bouc caché. Il va me rendre madame à yon feignant. Mais là, il y a constaté que madame là, c'est vous qui avez haché à vous. Quand tu es allé avant, tout haché et vous vous êtes pris. Non haché. Non haché. Non haché. Pas moins haché. Sans facilité. Ça fait déjà deux petits sachets qu'on s'en remettre après. Ah d'accord, ouais. Ok. Ouais. Ah, et c'est ça des nouveaux sachets là qui a fermé. Ouais. On sort des. Qui ont regardé ça? On sort des glissières. Pas glissières. Qui nous a ça? Des zip. Ouais, on zip, ouais, on zip. Et là il fait meilleur métier qui rien pas rentrer dedans. Rien pas rentrer dedans. Là il y a pour notre couleur. Ouais. Là il commence. On a comme temps moi. Ouais. Ouais, il prend forme. Commence sans ça ouvrir. Il y a un peu de côté là.
pour que les balances là, pour que peser ça nous. Ah ouais, ok. Foyer qui a fait combien à peu près au poids? 800 grammes. 800 grammes? On va mettre zip là, ouais. On va bailler en forme. Voilà. Ah là, il présenté. Il est bien présenté là, ouais. Il a pas envie de faire un super veille tout de suite. Tout de suite. Ouais. Ouais. 750 grammes. 750 grammes. On est presque arrivé. Hein? Ouais. Faut ajouter du bras dedans. Ouais, quand on 45 grammes. D'accord. Là, on va y ajouter un petit poignet là-dedans. Quoi. Ouais, mais quand pour un bol là. Et... Ouais, on peut mettre là, ouais. Voilà. Bah, mais ça, 800 grammes. Tu vas mettre un petit chouïa en l'œil. À combien il est là? Il y a 830 grammes. 830? Ouais, nous avons trentaine de grammes en plus. Ouais. Mais c'est cadeau. Cadeau? Finalement, on ne compte pas. Hein. Papa va être misiré. Fais-moi plaisir. C'est fais-moi plaisir. Parce que la clientèle là fidèle, il faut récompenser. Ah ben oui, hein. C'est Bitin qui fait des vins l'eau l'amour, hein, après ça. Ah, ben oui. Il n'a pas dit brutalité dans ça, hein, c'est. Ah, tout ça, on va faire avec l'amour. Avec l'amour. On va dans les 820 grammes. 820. Donc, toujours, on a une trentaine, non, vingtaine de grammes. Différence. Moins chiche. Ouais, ouais, c'est ça. Non, mais client là content. Donc là, il conseille à 3 euros. Hein, oui, à 3 euros. Ouais. On a 850. 850 ou? On peut dire un peu de chipotis pour 50 grammes. Pour 50 grammes là. Waouh, ça a belle à voir. Vraiment. Alors, on va positionner un bidon vitrine là. Alors, David, quand on va préparer là? On va bien lâcher. Bien lâcher. Est-ce que vous pouvez dire nous qui partit à Befla? Quoi qu'il vient d'acheter. En fait, tu as quoi utiliser pour acheter? Je peux l'utiliser pour le boss, mais là, c'est juste là, moi. Oui. Et fait bien acheter. Là, c'est vrai bien acheter. Hein. Ah oui, du pur bœuf. Pur bœuf. Hein. À part, ça, tu quoi qu'il est maudit sa viande. Pur bœuf. Donc, on met l'appareil là en marche. Là. Oui. En laissant un léger petit gras en l'air, c'est pas trop sec. Ah, toujours une petite jambe moelleuse. Oui, d'accord. Puis qu'à fond. Voilà. Donc, oui.
Là, c'est une commande qu'on a préparé. Ah, c'est une commande qui là. Oui. Combien, quelle quantité m'a demandé? J'ai demandé 2 kilos. Là, on a commandé 2 kilos de lâché. C'est un commerce, non? Non, mais j'en ai aussi dans la vie. Ah ouais? Une grande famille? Oui, ouais, une petite lasagne. Ah oui, bien sûr, ça va quand même dans le viande. Ouais. Ça, ça, on peut faire des steaks hachés aussi avec ça. Et avec ça là, ouais. Ça là, ça. Des petits boulettes comme ça. Mm-hmm. Ah, il cabaye en forme. Ah, d'accord. David, c'est ça ou quoi qui est entre côtes? Une côte et entre côtes. Ouais. Ça, c'est une côte. Mm-hmm. Là, c'est entre côtes. Bien entre côtes. Ça, c'est entre côtes. Entre côtes. Oui. Talon et tout ça. Mmh, okay. Quand on peut remarquer là, c'est un vache. Hein? Qui j'ai encore fait vous ça? Un gras, bien persillé. Mmh. C'est un vache. Ouais, voilà. Le gîte. Et là on a le rongite, on a le jarret. Mm-hmm. On a le rhum steak. Alors, là. Remontre-nous, le gîte c'est où? Là. Cette partie-là. Cette partie-là. C'est le gîte. Ouais, c'est le gîte qui est là. Ouais. Rongite. Et on a le jarret là. Le jarret, ouais. On fait la soupe là. La bonne soupe. Mascotte de bœuf. Mascotte. Mascotte. Ouais. Oh, c'est vite la nuit de longue en carton pour premier fois. Première fois. Mascotte aussi, non? Alors, il a trouvé où là exactement les bœufs là? Il a trouvé où? Je pense que c'est un peu de là. Ah, en haut, ouais. En haut. D'accord. Des épaules là, bœufs là. Des épaules là. Est-ce que c'est une pièce qui a commandé au souvent ou bien? Ouais, c'est vrai? Ouais. Est-ce qu'on a demandé? Il y a un peu de bouillet, un peu de bouillet. Pas bien, nous. Nous avons un peu de bouillet, un peu de bouillet, un peu de bouillet. Ouais. Et voilà. D'accord. On a la carotte de CEO là. Ah, faut faire ça chaque fois? Oui, parce que. Ouais, pour y pas ni poussière. Ah, Zoa, ouais. Parce qu'elles sont aussi, hein, sont aussi guida. Ah, oui. Rémi, est-ce que vous pouvez nous depuis combien de temps ou ses clients à David? Ah, en fait, des clients à David, des clients à papa. C'est petit poun, ici dans plus de 20 ans. Aïe, 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 je trouve que vous connaissez le papa bien. Ah oui, là, vous arrivez ici dans, à Kabi, c'est petit poun. C'était d'abord 2-3 kilos. Je souffre, quand je tiens, je fais souffrir.
problème, à pas vous démarrer pour dire. C'est un plaisir de travailler avec vous, c'est tout. Bon, garçon, là, il prend la relève, c'est bien. Est-ce que j'ai encore trouvé par rapport à papa? Non, quand bébé de temps en temps, c'est pour moi. Nous entendons assez bien. Il travaille bien? Oui, il travaille bien. Il a fait travailler. De toute manière, soit en partie de servir bien, il va dégager. Non, c'est boucherie du quartier, quand même, partez-vous. C'est parti, vous, c'est un aïe acheté bien. Et on y en a bamé à Oula. Bamé à moi, à peine 1 km, la famille ou un ami. C'est la même famille. Ouais. C'est une question de famille. Ensuite, tout seul est passé. Bon, ça y est, c'est bon là. C'est mon temps là, à mon avis. C'est bon, je ne vais pas aller plus loin. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même. Ah. Si tu voulais faire bien là, mais ça y est, c'est bon. C'est bon, ta vie baisse, c'est bon. Et c'est bien prochaine pour le bon. Là, vous trouvez tout ça au débit, pour aujourd'hui là. Oui, ça va, ça va. Satisfait et c'est bon. D'accord. David, là, vous avez tant de monde qui a parlé de papa comme ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça a fait son genre l'hôpital. Non, non, non. Parce que mon côté, il n'y a qu'à songer papa juste à présent. Ah oui, 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 oui. Jusqu'à présent. Oui. Ouais. Et ça, Rémi dit là, ou voyez ça, c'est bien, ou voyez, bah, mon viande. Oui, parce qu'avant, on a commencé à dire avant l'autre crédit, là, on a donné un crédit, il y a un banan. Ah, d'accord, ouais, ouais, ouais. Un petit cadeau. Cadeau. Mais quand même, monsieur cadeau. C'est monsieur cadeau aussi, monsieur. C'est vrai. Il n'a pas dit ça, il n'a pas dit ça. Monsieur cadeau, il n'a pas dit ça. Rajoutez pour là-bas, madame. Annie, j'ai dit alors, pour un poulet en plus, hein? Ouais, pour un poulet en plus, mais tout à l'heure, il va mon poulet là et là, on a des effets de café. Il partait sérieux. Il est tellement bon client, il t'a mis un peu. Rémi, est-ce que vous pouvez dire que David, c'est un monde qui aimait. Mouni et mes clients. Belle poule. Ah ouais, belle pièce, oui. Quand nous sommes en ordin. C'est oui, 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 oui. Donc là, on va passer en bas si là-bas. Ouais, merci. Ben, on va y aller un petit morceau. Là, on est arrivé, madame Agnès, qui a saisonné. Et qui, ouais, il va venir à faire des coupes. Il va nous prendre des coupes à faire. Alors David, ça on va faire là, ça va faire gagner l'OTAN. Ah ben oui. Ah bon, c'est la dernière fois que ça là, mais... Ah ouais. Il va profiter parce qu'on va faire. Alors, dis-nous des coupes là gratuits. Oui. Une des mouka, moi des moyens entiers. Ouais.
Je vais faire au four, ouais. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Voilà. Ah, c'est Marie-Mi qui est content là. Ouais, Marie-Mi qui est content. Là, on va descendre avec tout ça, sachet. Ouais. Je vais pas monsieur Union Sac. Oh, Union Sac. Au Kaba. Ça c'est pour les ça c'est pour les grands clients ça. Ah, depuis il y a son lot. Ouais. C'est récompense à yo. Je comprends ça, Marie-Mi, j'ai samedi prochain. D'accord. Ok. Bon appétit, Rémi. Ok. Est-ce que vous pouvez montrer nous au Kaba, en vrai, au Bayon Kaba? Est-ce que vous pouvez montrer une présentation au Kaba, à Zot? Ouais, ouvrez pour nous voir. Ah, d'accord. Ça, c'est syndicat là? Ouais, syndicat de boucher. Ouais, qui est marqué en l'air? SBCMV. Ouais, syndicat de boucher, charcutier. Et métier de la viande. Oh, ouais. Donc, ça, c'est pour les bons clients, ça. Ça, c'est pour les bons clients. Ouais, ouais, ouais. Ouais. D'accord. Et il faut y revenir avec chaque fois qu'il va venir ici-là. Ah, ben ouais, il faut voir qu'il va venir avec. Alors, quand nous vendons pour poule, ouais. Alors, on va remplacer pour là. Remplacer pour prochain client, là. Pour prochain client. D'accord. À la chambre froide de la David, qui est un pirate qui nous est? Nous à 2 degrés. 2 degrés. Voilà, on va mettre pour les ça. En vitrine? En vitrine. D'accord. Pour les prochains clients. D'accord. Là où tu vous prépares, ça veut dire où tes pâtes là, qu'est-ce qu'on fait exactement? Voilà. Ah, j'ai mis des présentables, plus présentables. Oui, 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 oui. Puis ouais. Belle à voix. Belle à voix. Pour attirer le client là, acheter. Exactement, oui. Parce qu'on va être à la Rémi, il vient, il prend pour les après, mais là, regardez, il n'y a pas de partisans pour les là. Ah ouais, ils sont chez madame là. Qu'est-ce qu'il a dit? On va parler 4 kilos de bœuf. C'est un message que vous recevez par WhatsApp, ça? Oui, par WhatsApp. Qu'est-ce qu'il a dit? 4 kilos de bœuf, et 20 poulet, et bien 2 kilos de porc. Oui, oui, oui. Donc, allez là, David, pour moderne dans le métier, là, ça, faut ça servir avec toutes ces ouais, technologies là, ça. Faut brancher. Mais je ne veux pas mettre dans la rivière là. Ouais. Parce que je ne vais pas passer commande à yo et je vais passer récupérer commande à yo avec un bar à yo. Ouais, ouais, ouais. Et parti quoi. D'accord. On va mettre temps. Exactement. Et moi-même, ça va arranger moi aussi. Tout le monde, ça va arranger tout le monde. Là, c'est un commande. Mm-hmm. Et on prépare le mois de moi. Oui. Le téléphone de moi, on prépare les bails. Ah, c'est un commande d'activité ça? Bœuf. Bœuf qui là, ouais. Un kilo bœuf et néon pour l'oxyde. Ok. Alors, Lucien, depuis combien de temps tu as vu de côté de Taïalé? Ça fait un moment déjà, donc on va me dater de combien de temps déjà? Ouais. C'est toujours passé côté avec le week-end pour bien aimer. C'est vrai, hein? Oui, toujours satisfait et bien servi. Il a servi ou bien? Oui, c'est pour bien. Ouais. Tout satisfait. Et en général, qu'est-ce qu'on prend comme viande? Bien, comme tout ça de viande. Ouais. Madame la café traiteur, donc. Ah, madame la café traiteur, ouais, ouais, d'accord. C'est vrai, qu'on prend tout ça au besoin. Tout ça au besoin. Et toujours bien servi ou? Ah, toujours bien servi. Ouais, 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 ouais. David, c'est qui parti à Bef là ça? Je vais faire un peu de Zoa qui l'autre là. Qui non? Zoa qui l'autre là. Zoa qui l'autre là. Alors? Je vais faire un peu de Zoa qui l'autre. Et pourquoi il va bien ça Zoa qui l'autre là? En fait, c'est Zoa rien à Bef là. Ah ok, rien à Bef là. Et quand vous faites un veille en général? Soupe. Ah, c'est soupe pour soupe. Hein? Ouais. En fait, vous pouvez faire
fait super vertigo toute partie avec là. Hein. Je vais travailler avec des façons de vache. Parce que la plupart du temps, moi, c'est. Quand fait vache. Ouais. C'est spécialité, moi, c'est plus vache. Parce que dans la mesure que moi, quand je cherche saveur là, ouais. Côté là. D'accord. Mm-hmm. Parce que les vénages vont être tôt là, ils ont tendance à être plus fermes, plus raides, quoi. Ah, d'accord. Comme on va faire maturation, alors, comme vache là, quand il y a un petit brin gras, ça permet de conserver plus longtemps. D'accord. Ah ouais? Okay, ouais. Et ça, il faut qu'il y ait enveloppé l'emploi carcasse là, qui a protégé bien la plus. D'accord. Naturellement. Pour là, pas autant de gras qu'il y a en vache. Ouais. C'est vrai que moi, quand il y a l'opère, niveau graisse. Mais qualité là différent. Qualité là différent. D'accord. On a notre saveur. Ouais. Là-bas, on a un home steak, les semaines après, quand nous disons ça, ça semble pas bien, ça semble bien, là. David, encore quand la VBA, souvent, est-ce que c'est une obligation? C'est une obligation, dans la mesure que nous avons travaillé avec gants, mais de même si nous avons gardé le gant toute la journée, nous avons mis tandis que mais on va transpirer en gant. Ah! D'accord? Et de l'air, on se voit bœuf, on se voit aller chier le gant. Mais il ne faut pas transpiration en contact avec. Ah! Mais comment ça, on se embouché? En disant qu'il avait mes cadavres. Alors quand on avait mes mains régulièrement, alors, à chaque prestation, quand ils sont faits, quand on avait mes mains. Mais c'est ça que j'ai observé, presque chaque fois qu'on revient là. Oui. Expliquez-nous qui j'ai un robinet là, puisque son robinet normal, là, enfin, sauf qu'il y a un inox. Oui, c'est un inox. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a un produit spécial pour laver mes mains? Oui, on est un distributeur de produits. Ah. Tout ça, c'est des biteurs qui sont aux normes, ouais, ça. Faut aux normes. Justement, David, c'est les normes sanitaires ici dans ces qui biteurs. Mais faut niveau hygiène, il faut toujours propre, présentable. Ouais. Bon, faut pas qu'à sortir, faut un biteur, faut dire, ne pas manger bœuf. Bon, on dit un cochon, être touché bœuf. Ouais. Bon, on sort toucher viande là, ou toucher l'argent. À chaque prestation, il ne faut pas laver mes mains. Ah ouais? Il faut toucher la rente, elle manie viande. Ah ouais? Bon, quand tu es aux toilettes, avant d'entrer là, on va être là, il faut laver mes mains. On fait besoin de relaver. Donc, en entrée et en sortie, il faut laver mes mains. Ben oui. D'accord. Pourquoi dire un microbe? Ah ouais? Si vous ne pas respecter ça. Si on ne respecte pas ça, il peut tenir des conséquences. S'il y avait une note à lui donner, ça serait quelle note? Alors, on va noter sur quoi? Sur 20. Bon, on va lui donner quand même 17 et un bon 17. 17? Oui, sans exagération. Sans exagération. Pas mal. Ouh, c'est. Ah non, pas mal. C'est très beau. Un bon 17. Oui, tout à fait. D'accord. Oh là là, ça veut dire que le service est au top. Voilà. Le service est au top et c'est un homme très agréable. D'accord. Voilà. David, par rapport à la note, ça me va. Ça te va. Moi, je suis une très bonne cliente, je suis ici pratiquement tous les week-ends. Oui. Et toujours bien servi. Oui, toujours. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Merci beaucoup, frère. Bon. Okay. Bon ben, on s'appelle ou sinon à la semaine prochaine? D'accord, y'a pas de problème. Ok, bye bye. Alors Bernard, depuis combien de temps on est venu ici dans? Ah, j'en ai plus de 20 ans depuis les papas étaient là. Donc, il est vieux? Ah ouais, il est venu à peu près 23 ans, 24 ans. Ouais. Et là, on a vu le roi David, et quand on a pris comme. Ah, j'ai connu ces viande, poule, boudin, tout ça est-il. Et en même temps, nous avons un petit décollage. Ouais. Et qui j'ai encore trouvé à Keïla, à côté de David? Ah, c'est qu'on dit ça en Casamoy. C'est vrai? Oui, on peut dire ça bien. Et là, moi, à côté de David, c'est. Pas ni compte aussi. Et souvent, pas ni l'argent, qui a pas m'inviter, mais pas ni compte. C'est vrai, hein? Vous pouvez répéter ça. Ouais. Donc, c'est un bon bouc.
David, a payé 10 équipes meilleures, mais il n'a pas fait partie des derniers noms. Oui, pour ça, il y en a dit même, souvent, couper mon fin avec. Qui métier vous avez fait? Dans là, j'en ai le bocalage, j'en ai le tourisme. Donc, vous savez, beaucoup travaillent en l'eau. Donc, on va manger bien, ou on aime manger bien les dimanches. Ah, surtout! Ouais, ouais! Surtout, manger là, il est important, parce que là, on va travailler, il faut nous y croire. Il faut nous y croire là pour ouais. Continuer. Mais on a encore posé une question. Si vous devez être bas David, on note entre 0 et 20, qui note au Québec? Entre 0 et 20, eh bien, à Québec, 19,5. 19,5 au Québec, David, pourquoi? Eh bien, son bourri très compréhensible, et honnête avec, et c'est une ambita du week-end du lit. Bourri franc. Bourri franc. Il va même franc en euro à présent. Allez, là, c'était 17. Ah, et là, on montait en grade. On montait en grade, 19,5. Ouais, qui compte? Ça, pas genre, même l'école, pas déjà à bord 20. Ouais. Vous comprenez, à bord 19,5. Mais qui réaction, ou ni par rapport à notre là, ben on a au bord. Ah, mais c'est l'homme le plus heureux du monde. Là. Vous content? Mais oui, c'est une fierté pour moi. Hein. Pour ça, vous voulez dire qui bite, on note comme ça. Hein? Ça veut dire qui bite pour on note comme mais ça. Mais c'est que le service, ça m'a satisfait et que. Mm-hmm. Content tout ça, mais ça va bien, David, nous arrivons en bout à l'émission, nous. Est-ce qu'un débiteur ou quoi vrai nous pas parler, qui était peut-être mérité dit des mots, ou alors nous faire l'entour? Mais moi, je me fais l'entour. Moi, je veux plus j'en rappeler dans les mains là. Je veux plus j'en cas exposer dans la poule là. Moi, pour le petit soir là, je veux rappeler pour là, j'y vais là. Est-ce que vous pouvez dire tout produit que vous faites réellement? Alors, on fait du bœuf. Poulet fermier, pintade, canard, lapin, cabri, gigot d'agneau cuit, poulet farci cuit, le rôti, et sinon avoir un boudin, boucasse, soupe, tout ça pour découvrir dans bouche. Voilà. Où là nous trouvons nous exactement, David? Mais là nous à Deauville-Sainte-Anne, en la campagne. Du jeudi au dimanche. Alors, le numéro, c'est 58-48-18. Sinon, on peut prendre l'équipe à 88-28-22. Ou bien, on peut par mail davidtayal@gmail.com. Est-ce qu'il y a un petit mot, un petit message que vous voulez voir bah, les gens qui ont regardé la vidéo là? Bien, en fait, encore merci à tous ceux qui ont voulu moi. Tous ceux qui ont voulu connaître moi. Ouais. Voilà. Quoi, Tanyo? Tanyo, du jeudi au dimanche, de 7h à 15h, à la bouche de Tayalé à 2017. Tu es bien, ok, à bientôt.